Et non, on va pas jouer à FIFA, on va jouer à Retro Gaming. Non, vous êtes sur la chaîne Retro Gaming RH et un internaute, depuis longtemps, il nous a demandé « Faites un test de NASCAR !» Donc tu connais le NASCAR? T'as déjà vu le film Jour de Tonnerre? Oui, je connais NASCAR, la compétition. Après, le jeu, non, je le connais pas, parce que c'est pas mon jeu. C'est bien comme jeu, si tu tournes en rond. Ah, oh, pas tout le temps. Regarde. Oui, oui. Oh, il connaît mal. Oui, bah, oh, oui, bah en ovale, c'est pareil. Daytona USA, il y a des parcours. Tu tournes à gauche, ou à droite, non, à droite. Oui, à droite. C'est peut-être. Bon, donc tu vas le faire, il est sorti en 98. Oui, c'est marqué là. Ah ouais, et c'est Electronic Arts, t'as vu? Allez. Et c'est la licence de Nintendo, toi, si tu vois. regarde comment je suis bon. Allez, vas-y, tu vas faire une course. Hein, c'est Jimmy qui va nous tester ce jeu de NASCAR pour notre cher abonné qui nous avait demandé en début d'année, faites un test de NASCAR. Et on a choisi un ancien sur la Nintendo 64. Il faut savoir que je ne possède pas de Nintendo 64 quand j'étais jeune, donc je ne connais pas bien le jeu. Par contre, j'aimais bien Daytona USA et j'avais joué à un Jour de Tonnerre au niveau NASCAR, mais sur la NES. Mais ça date, hein. Oui. D'ailleurs, un très beau film sur le NASCAR, c'est le film avec Tom Cruise. T'as déjà vu? Regarde. Ah, sérieux, il te met pas de 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Alors là, on est plus. Ah, d'accord, c'est carré. Non, bah, c'est de la Nintendo 64. Tu joues là, hein? Bah oui. Alors, dis-nous les touches, Jimmy. Allez, faut faire tes. Allez, Jimmy. Bah, les touches, t'accélères. Ouais. Tu tournes. Ouais. À gauche, hein, bien sûr. Oui, je sais, je suis nul. Il est en train de me dire, t'es nul. Ah oui, t'es dernier, gros. Bah oui. Ah, il rattrape le peloton. Faut se mettre derrière la voiture pour prendre de la vitesse. Bah oui, mais regarde, tu fonds. Ah, de la fumée. Vas-y. Bon. Back. Alors, graphiquement, bon, tu me diras, il est plus moderne, hein. Mais Daytona USA, il reste quand même top au niveau arcade, hein, en jeu. Je crois que j'avais mes pneus qui étaient crevés. Alors là, on est plus sur une vraie simulation de NASCAR, apparemment. Hein. Oui, faut vraiment. C'est un peu comme les jeux de Formule 1 où il faut pas mordre le côté et tout ça. Bah j'aime bien mordre le côté, donc. Donc, à toi de voir, là, tu fais un. Allez, t'es toujours dernier, fonce, hein. Je suis fort. Merde. Bon, graphiquement, on a une grosse voiture devant, oui, quand même. Ça va. Après, c'est de la Nintendo 64, c'est un petit peu carré, mais c'est l'époque aussi, la console. Ça va, moi, je trouve ça assez bien, oui. Ouais. Graphiquement, oui. Bon, après, c'est sûr que j'aurais pu faire mieux au niveau des côtés, puis voilà, quoi. Toi, mais on est fort sur l'auto, hein. T'as peut-être plusieurs vues, non? Tu fais une autre touche. Oui, mais c'est pas évident. Ah bah si, peut-être mieux là, comme ça, non? Ouais. Ah, quand mieux là. Ah, ouais. Ah, mais là, t'as moins de vitesse. Allez, prends la caméra que tu veux. Ouais, mais tu te plantes peut-être moins. Ah, oui, mais non. Ah, là, t'as tapé. À mon avis, le choc, il vire direct. Ah oui, c'est sûr. Sinon, c'est ça. Ceux qui aiment la simulation, ouais, ils seraient peut-être bien. Ah, là, on entend celui bien, qui aime plus ce jeu arcade fun, peut-être moins bien. Ah, ça, c'est là, pas mal en cockpit, la vue. Ouais. Ça fait plus ce gros camion là, en fait, je trouve. Course de camion là. Il est vraiment fait pour les fans. Hein. Yeah. Oh là, ouais, sûr, tu tournes. Ah, donc, bah là, j'ai tourné. Si je fais des sens inverse. J'avais quelques notes sur ce fameux jeu de NASCAR 99. Donc, ce jeu, vous pouvez aussi essayer de le retrouver sur la PlayStation. Il existe sur la PlayStation. T'as même pas vu ça. Ah, je te jure. C'est développé par Stormfront Studio. Il est en train de regarder son papier, il voit même pas ce que je fais. Non, parce que j'ai pris des notes. Ouais. J'ai fait des tonneaux et tout. Regarde, je suis bon. Ah oui, t'as l'envers. Fais demi-tour. Ah, ça y est, c'est fait. Non, mais je te sens mal. Ah. Oh bon. Ah ouais. J'ai peut-être gagné. Allez, faut retourner, faut foncer. Regarde. Mais il a fond le truc, il avance plus. Il tourne plus. Bah t'as peut-être cassé des pièces, hein, ça joue peut-être. Alors là tu mords le mur en ligne droite. Ça c'est interdit là. Oh là là. Oui, ça tourne plus. T'as plein de fumée, tu vois plus rien. Hop. Ah bah l'avant il est tout défoncé je crois. Boum, t'as tapé dedans. Est-ce que je peux pas voir derrière?
ça c'est là. La maniabilité, elle est bien. C'est ouais. Tout en main. Ouais, t'es... Bah, à mon avis, la manette, elle doit plus s'user côté gauche, toi, quand tu tournes à gauche. Ça s'use de... Si tu joues pendant une journée avec, ça doit s'user au bout d'un moment, c'est... Le côté gauche. Ouais, voilà, toi. Tiens, dégage. Pardon. Ah non, c'est une simulation, tu peux pas faire si, ça. Si, je peux. Tu vas perdre du temps à crever. J'ai déjà perdu des roues, regarde. C'est con, c'est compliqué. Est-ce que tu peux aller réparer là à gauche? Tu vois, oui, quand tu tournes. Ah bah, t'as fini, non? Je sais pas. Non, t'as encore un tour. Bon, alors, t'essaieras de voir si tu peux aller dans les stands à gauche. Ouais, j'ai essayé. À gauche ou à droite? Ah, super, c'est tourné à gauche. Attends, si on voit, si on le voit. Il y a le tout. Attends, tu le vois sur le petit point là. Regarde. Hop, dès la sortie du tournant de gauche là. Rentre. Ah, il faut rentrer. Non, il faut rentrer là. Ouais, c'est là. Vas-y, va voir si on peut réparer la voiture. Change tout. Allez, go. Oui, en fait, c'est vraiment simulation. Hein. Ça se fait automatiquement, je pense. T'as vu là-bas? Combien il est? Moi, j'ai plus de roues. Ah, si. Ah, ils nous ont pas mis des petits bonhommes qui changent tes roues, comme Daytona USA devant toi. C'est parce que là, la course est finie, en fait. Ah ouais, c'est bateau. C'est ballot. Ah. Après, là, j'ai fait une course directe. Hein. Ouais. Mais... Alors, est-ce qu'on peut jouer à deux? Ça m'étonnerait. Peut-être qu'un joueur. Bon, sort pour voir. Ouais. Oui, apparemment, il serait pas à deux players. Il serait qu'à un player, ce jeu. Hein? Je me trompe? Je pense, ouais. Ouais. Donc, cher Jimmy, tu mettrais combien à ce jeu de simulation? Bah, graphiquement, ça a l'air d'aller. Après, c'est du NASCAR, c'est pas que j'aime pas, mais si t'es pas dans les premiers, bah t'es... Bip, hein. Et j'ai pas le mot. C'était le dernier, là, comme moi, que j'étais, bah voilà, quoi. Si t'as l'aspiration, si ça marche, bah, à mon avis, t'es dans le baba. Oui, sinon, après, oui, je pense qu'il y a peut-être une option de... débutant ou des... toi, difficultés, mais non, il n'y a pas. Donc, ouais. Moi, je conseillerais aux fans de NASCAR, celui-là. Oui, voilà. Oui. Mais j'ai une préférence. Si vous avez une Dreamcast ou une Saturn, j'ai une grosse préférence sur Daytona USA. Ouais. Sinon, il y avait aussi ces Red Racer sur la 64. Mais ouais, enfin, bon, c'est pas du NASCAR, vraiment. Non, hein. Mais il sait qu'il est mieux. Ouais. Enfin, après, là, c'est vraiment simulation. Hein. Oui. Mais après, ceux qui aiment la simulation, ouais, ils après, peuvent être NASCAR, bien. NASCAR, il y a aussi Gran Turismo. Il y a des courses de NASCAR, mais bon. Ouais. Ouais, enfin, bref. Ouais. Tu cherches la petite bête, hein. Mais si vous préférez genre arcade, Daytona USA. Ouais. Mais sinon, en niveau note, vu ce que je viens de voir, ouais, et par rapport à ta performance de joueur... Je mettrais 12. 12, 13. Moi aussi, je lui mettrais un 12, pas plus. Bon... Ouais. Bah, combien vous mettrez-vous, hein? Toi qui as cliqué, cher internaute, oui. Dis-moi combien tu mettrais à ce jeu. Oui, et surtout celui qui a demandé de qu'on teste ce jeu aussi. Lui, je pense, je ne sais plus son nom de mémoire, mais je pense qu'il connaît, et vu ses vidéos, il doit savoir jouer ce genre de jeu-là. Après, moi, j'y joue pas non plus, donc c'est peut-être ça aussi. Allez, sur ce, à plus! À plus!